السلام عليكم مازور في اللون بونجور نو غران اي اكسلنتيسيم غيد سوبريم ont décidé de ne pas fêter le jour de l'indépendance qui devait se dérouler le 5 juillet passé, dans l'allégresse et le recueillement, comme on dit. Nous, on avait pensé, tout benoîtement, pauvres ingénus que nous sommes, que nous avons été et que nous serons vraisemblablement jusqu'à la fin des temps, que nos grands et excellentissimes guides suprêmes avait décidé de ne pas gaspiller d'énergie pour mettre tout le paquet sur la commémoration du 1er novembre, jour du déclenchement de la révolution algérienne. Nous pensions donc, gros bénis que nous sommes, que nous avons été et que nous serons certainement jusqu'à la fin des temps, que nous devrions faire, que nous devions faire notre plein d'allégresse et de recueillement pour le fameux 1er novembre. Or, ne voilà-t-il pas que nous apprenons, après 2,5 tonnes de démentis de toute provenance, depuis Sellel, depuis Saïdani, en passant par le vrai maquisard qui s'entortille la moustache, que notre armée, dont on nous revache les oreilles depuis 62, qu'elle est la digne héritière de la LN, n'allez pas parader au défilé du 14 juillet à Paris, sous la tribune du grand chef de nos grands et excellentissimes dirigeants. J'ai nommé François Hollande. Un étrange mélange d'ailleurs, soit dit en passant, que les noms et prénoms du Bosso, du Tutti Bossi. Un François, c'est-à-dire un Français, un vieux Français, dont le nom est celui d'un pays étranger, la Hollande. François Hollande. Bon, enfin, en tous les cas, d'après, donc, les 2,5 tonnes de démenti, ne voilà-t-il pas que le drapeau algérien passe sous la tribune du Bosso di Tutti Bossi, avec le salut martial qui va avec. Donc nous, même bébête à manger du foin, nous nous sommes posé quelques questions. C'est quoi ça? C'est quoi cette coïncidence? Ne pas fêter le 5 juillet, hormis de minables petites cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs toutes fanées, et aller célébrer le 14 juillet. C'est quoi ça? Coïncidence? Reconnaissance? Allégeance? Pantalonnade? Bon, avons-nous fini par nous dire? Au point où nous en sommes, vous pouvez me tutoyer, avons-nous dit au pickpocket qui nous piquait poliment notre portefeuille en nous faisant plein de courbettes. On a fini par nous dire que nos grands et excellentissimes guides suprêmes allaient se rattraper pour la célébration du 1er novembre. Finalement, ils nous l'ont affirmé. Et là, on n'a vraiment pas été déçus. On en a vraiment eu pour notre inusable patience pour notre bêtise abyssale d'hier, d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des âges. Là, on vient de nous annoncer la surprise qui va tout racheter, qui va nous rendre notre fierté, notre dignité, nos espérances et même nos sous. Le prochain 1er novembre sera bel et bien fêté de la façon la plus digne de nos shuhada qui soit. Le grand et excellentissime ministre des mots croisés et des collations a décidé de placer les festivités du 1er novembre 2014 sous l'ombre tutélaire et gigantesque du très grand et très excellentissime du très grand et très excellentissime Bouteflika IV. Ainsi, voici ce qu'a déclaré le grand excellentissime ministre du journal télévisé et des billets sur TSA. Je le cite. C'est lui qui parle. J'en perds mes mots.
Alors, ce qu'il nous dit, il nous dit ceci. Une grande exposition photo sur le parcours du Moujahed, homme de paix, de stabilité, de progrès. Le président Abdelaziz Bouteflika sera organisé à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Cette exposition d'environ 1600 photos sera organisée à Alger, Oran, Constantine et Adrar. Il précise que la première exposition aura lieu au Palais de la Culture à Qubba, Alger. Et déjà, comme une traînée de poudre, c'est la nuée des potentats locaux. Aucune ville ne veut être en reste. Toute l'Algérie est entrée en transe sous les bleders. Tous les maquignons de la politique réclament des photos de Bouteflika 4. À corps et à cri, malheur à celui qui n'aura pas obéi à l'injonction non dite. Malheur à la ville qui n'aura pas tout pavoisé, toute la ville jusqu'aux toilettes publiques, pour celles qui en ont, pour les rares qui en ont, des posters de celui dont nulle mère n'a enfanté de pareil. Et roule, Remoul, Kim Il-sung peut aller se recoucher. Aujourd'hui, APS, célébration du 1er novembre 1954, grande exposition photo sur le président Bouteflika. Horizon, célébration du 1er novembre, exposition de 1600 photos du président Bouteflika. Al-Watan, le ministère de la Communication organise une exposition photo dédiée au président Bouteflika, rien que Bouteflika. Alors, avec nous aujourd'hui, donc, Zeyneb Azzouz, universitaire à Constantine, et Faisal Mattaoui. Donc, comme il est question du ministre, du tutelle de M. Faisal Mattaoui, nous allons commencer par lui. C'est Faisal Marhababik, merci de nous avoir rejoints. Faisal, nous l'avons perdu. Alors, Zeyneb. Oui, allô? Bonjour Zeyneb, oui. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce 1er novembre, j'imagine que vous frottez les mains déjà, Zeyneb. Moi, je me frotte les mains. Pourquoi je suppose que les heureux élus qui vont s'occuper du marché des photos se frottent les mains, en revanche. Hein. Mais Constantine... Constantine est dans les tablettes. Constantine va organiser. Elle a déjà reçu son lot des 1600 photos. Hein. À la bonne heure, grand bien leur fasse. Hein, grand bien leur fasse. Beaucoup, je leur souhaite beaucoup de bénéfices. Hein. C'est tout ce qu'on peut espérer en ce 1er novembre. D'ailleurs, je ne sais pas. Je me pose la question pourquoi 1600, hein, franchement. On se demande s'il n'y a pas des mystères kabbalistiques derrière, je ne sais pas. Non, ça veut dire 1600, ils ont ramassé tout ce qu'ils ont pu. Peut-être ils ont été cherchés partout, sauf les photos, nous attendons. Ah, mais quand même, hein, j'y pense quand même, 1600, c'est un multiple de 4, c'est peut-être ça. Et puis, ils auraient pu avoir plus, sauf il paraît qu'ils ont éliminé les photos. Par exemple, les fauteuils en fauteuil roulant, les photos où il fait le baisement à la reine Elisabeth, les photos où il protège François Hollande de ses deux bras pour qu'on ne le touche pas. Là, c'est des photos, vous êtes sûr qu'ils ne passent pas, elles ne passent pas. Hein. Tant mieux. On est en plein délire, en plein kermesse, tout est permis, tout est possible. Je ne sais pas pour comment. J'hésite vraiment. Moi, je me mets souvent comme. Je m'interdis souvent de commenter ce qu'ils font, parce que ça serait vraiment rentrer dans leur délire et ne pas s'en sortir. Nous sommes en face de gens qui n'ont ni point de vue, ni même idéologie, ni même est-ce qu'ils sont en train de foncer à tête baissée, est-ce qu'ils sont en train de naviguer à vue, est-ce qu'ils sont vraiment en train de provoquer les gens à max, est-ce que vraiment ils sont dans cet aveuglement qu'on n'ose même pas imaginer, mais dans les pires abîmes, je ne sais pas.
mais fêter le 1er novembre en revenant à cette notion de moujahid, quand on est en plein dans la trahison, dans les dossiers de faux moujahidines, dans une histoire qui n'a jamais, je ne dirais pas écrite, qui n'a jamais été, sur laquelle on n'a jamais voulu lever le voile, ne serait-ce que pour laisser les gens jeter un coup d'œil. Face à une génération, nous sommes quand même un pays où il y a, paraît-il, plus de 75% de jeunes ou 70% de jeunes. Que veulent-ils vraiment? Veulent-ils que dans 10 ans, on en arrive à ce que les jeunes générations crachent sur l'histoire révolutionnaire? C'est de la dépravation. Je ne trouve pas d'autres termes. Zineb, ils nous ont fait le coup de ne pas fêter la fête de l'indépendance. On n'a pas compris. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. En même temps, les avions français passaient sur le ciel algérien. Ça sentait un peu louche. Et puis, on apprend, des rumeurs sortent. On dit, l'armée algérienne va défiler 14 juillet. Quelques jours après la fête nationale algérienne, on s'est dit, c'est pas possible. Et puis ils sont tous mis à démentir. C'est le Saïd Dani, tout le monde. C'est jamais. Bon, on s'est dit, c'est pas possible. Là, ils dépasseraient pas. Et puis ils ont défilé. Et alors, ils nous passent tout le temps maintenant, avant, ils nous passaient pas les images du président malade pour qu'on dise. Non, c'est pas vrai, c'est des rumeurs, il n'est pas malade, et c'est les ennemis de l'Algérie qui veulent ramener l'OTAN, et syrianiser et libyaniser le pays, qui disent qu'il est malade, il n'est pas malade du tout. Il n'a pas parlé pendant 3 ans, oui, mais il n'est pas malade. La preuve, vous l'avez vu malade, vous? Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous le montrent malade. C'est comme si on disait, vous ne croyez pas qu'il est malade? Ben voilà, il est malade, regardez-le. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils vont? Et là, on nous dit, 1er novembre, c'est Bouteflika. Essayer de réagir à ce qu'ils font. On risque de devenir fou. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune dignité, il n'y a aucune stratégie, il n'y a rien. Vraiment, on est dans l'abîme. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer. Restez avec nous, Zineb, restez avec nous. Nous allons demander à Faisal Mataoui, puisqu'il est question de son ministre de tutelle. Faisal, merci de nous avoir rejoints. Merci, bonsoir Jamel. Bonsoir Faisal, merci. À chaque fois, on vous perd, Faisal. Il faudrait qu'on vous trouve une solution. Hein. Absolument, parce que les communications téléphoniques n'ont pas beaucoup évolué. Je ne serais pas étonné qu'ils vous coupent. Même du voisinagement, nous, on est toujours en retard. Voilà. Dites-moi, Faisal, cette initiative de transformer les festivités du 1er novembre en spectacle de photos, de 1600 photos de Bouteflika 4, ça vous inspire quoi? Et c'est venu d'où? Et ça veut dire quoi? Vous savez, on se pose beaucoup de questions, mais je ne crois pas que les festivités du 60e anniversaire du 1er novembre soient réduites uniquement à ça, parce qu'on nous parle quand même d'un programme qui est en préparation par les ministères de Moudine et le ministère de la Culture. Mais disons que c'est une initiative peut-être personnelle du ministre de la Communication, et comme vous savez, dès son arrivée au ministère, il a commencé à bloquer des journaux, à fermer des journaux, notamment le journal Al Fajr de Hedda Hazem, qui a repris depuis sous prétexte de non-paiement de factures d'imprimerie, et également le journal de Hamid El Ayachi, Algérie News et Zaire News. Comment on peut être au ministère de la Communication? Comment on peut être écrivain et romancier, plaider pour la liberté en même temps que des journaux? Donc disons, il y a beaucoup de contradictions. Faire des photos pour le président à l'occasion du 1er novembre, c'est une initiative impérieuse, et en même temps, le même ministre de la Communication, qui s'appelle Hamid Green, a annoncé un concours autour du 1er novembre. Je crois qu'on est toujours dans une espèce de confiscation, ne serait-ce que partielle, de l'histoire. On est dans une espèce de réécriture, toujours renouvelée, officielle de l'histoire, pour qu'on nous oriente vers une seule lecture par rapport au 1er novembre, bien que le 1er novembre soit la propriété de l'ensemble des Algériens, parce que c'est une immense date, c'est la date du déclenchement de la guerre de libération après tant d'années de lutte contre le colonialisme français. Et on veut peut-être la réduire à ça, mais même si il y a quand même des voix qui se lèvent pour que la célébration soit faite autrement, théoriquement, on s'attend à des livres. Normalement, au 60e anniversaire, c'est des livres qui sortent, c'est des
ces témoignages, c'est de nouvelles idées, c'est de nouvelles révélations, parce que l'histoire de la guerre de liberté nationale n'a toujours pas été écrite. Faisal, ce ministre, on dit que c'est lui, ce ministre Hamid Green, quand vous verrez après l'émission, si vous ne le voyez pas en ce moment, sur le background, nous avons mis une photo que nous a envoyé notre ami Samir Hachicha, Blatesh. Jaizat Shita Zahabia. S'il s'avère que c'est aussi lui qui écrivait sur le bloc-notes de Gedoui sur TSA, ça veut dire que maintenant on comprend un peu la démarche. Pour ceux qui ont lu. C'est Hamid Green qui signe sous Gedoui, même si. Et il a lui-même démenti cela par le passé. Oui. Mais disons que peut-être on est dans une, comment dire, dans un délire. Je crois la dame qui est avec vous en a parlé. Il y a quand même un délire pour combler le vide, parce que nous sommes dans un vide politique. Et il est vrai qu'il était question que le président, fin septembre, reçoive le dossier sur les amendements de la Constitution, et c'était une promesse de Ahmed Yahia, qui est directeur de cabinet à la présidence, et qui depuis cette date, on ne voit plus. C'est lui-même qui a géré les consultations de la Constitution. Or, septembre est terminé, quand on est entré dans le mois d'octobre, et le dossier sur la révision de la Constitution n'existe plus. Et on est donc face à un vide politique. Il n'y a pas de projet politique. Aujourd'hui, le FMI, Fonds monétaire international, avertit contre les vulnérabilités de l'économie algérienne. Mais visiblement, ça passe inaperçu. Et donc, on navigue à vue. Et pour combler le vide, on va donc vers des festivités ridicules. Parce que le même ministre de la Communication a appelé, figurez-vous, les journalistes algériens à travailler sur la Al-Jazair, c'est-à-dire améliorer l'image de l'Algérie. C'est-à-dire qu'implicitement, un ministre de la République algérienne reconnaît que l'image de l'Algérie, je ne parle pas du pays, bien sûr, oui. De la nation ou du peuple algérien. Je suis en train de parler de l'image du pouvoir lui-même. C'est une image qui est très mauvaise à l'étranger. Donc pourquoi créer une agence pour améliorer cette image? Vous savez qu'à l'époque de Ben Ali, qui était un dictateur, de Tunisie, il y avait une agence qui s'appelait l'agence tunisienne de la communication extérieure, dont la mission était justement d'améliorer l'image du régime. Mais je crois qu'on est en train de revenir en arrière. Nous avons parfois des réflexes brejneviens qui nous rappellent ce qui se passait dans l'Union soviétique dans les années 70. Je pense toujours, du moins en Corée du Nord, même si Cuba un peu s'est amélioré. Et donc ces réflexes viennent de l'ancien temps, des gens qui n'ont pas évolué, malgré l'âge, malgré que le monde a évolué, malgré qu'on est donc à l'époque de la technologie, de la communication, de l'Internet, des parlements qui font tomber des gouvernements, des ministres qui démissionnent pour des affaires de scandale. Nous, on revient en arrière, on a toujours cette capacité extraordinaire à travers des décisions complètement stupides, complètement hors temps, pour revenir en arrière. Nous avons, je crois, les dirigeants les plus hallucinants qui puissent s'imaginer. Alors, vous nous dites, hein, vous nous apprenez que ce même ministre demande aux journalistes d'essayer de redorer l'image du pays. Donc, ce qu'on vous le dit, c'est que reconnaître implicitement que l'image, elle est vraiment malmenée. Et en plus, lui, oui. Lui qui donne cette consigne, qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Il transforme la fête nationale la plus importante de l'histoire de l'Algérie, il la transforme en exposition photo du guide suprême qui ne sait plus calculer la table de multiplication de deux. C'est quand même incroyable, c'est quand même effarant, c'est quand même, on a envie de monter sur la table de se suicider, pour ne pas prendre trop de risques. Même si le suicide n'est pas bien, il ne faut jamais plaider pour ça, mais disons que c'est aussi la faute du parti de l'opposition, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup d'opposants réagir à ça, à cet appel. Je crois que, et je ne sais pas, sincèrement, jamais, je ne sais pas si le président Bouteflika a demandé ça. Là, n'en doutez pas, moi je vous réponds. Là, Faisal, je vous réponds. Moi, je prends la responsabilité de vous répondre. Il n'est pas en état de demander quoi que ce soit, surtout pas ça. Peut-être qu'il va demander des friandises, oui, mais demander à faire une exposition photo. Rassurez-vous, ce n'est pas lui. Que le président est correct, même. De l'État algérien est malade, est absent de la scène publique, mais disons qu'il y a quand même une clientèle, il y a un entourage qui se sert de ça, qui se sert de cette absence,
qui se sert de cette vacance du pouvoir. Peut-être que même qu'on est allé vers le quatrième mandat pour qu'on ait cette situation et que des décisions soient prises en dehors de la présidence, peut-être sans que le président soit informé. Et c'est pour cela que l'urgence, il y a maintenant de revoir l'ensemble de la situation politique algérienne. Il ne faut pas qu'on continue de cette manière, parce qu'aujourd'hui, ça sera une exposition photo. Demain, ils vont fermer un journal ou une télévision, mettre des gens en prison et dire que c'est le président qui a décidé ça. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont. Ils vont débaptiser des rues au nom des martyrs de la Révolution pour les nommer avec des nouveaux martyrs qui sortent de nulle part. Donc, on est tous en train de jouer. On est en train de jouer de l'histoire. Or, l'histoire de la guerre de libération, elle est toujours, comme je l'ai dit, est à écrire. C'est une histoire qui appartient à l'ensemble des Algériens, à tous ceux qui ont contribué pour faire changer le colonialisme français de cette ère algérienne pour qu'il y ait une reconquête de la souveraineté nationale. Maintenant, la balle est également dans le camp des historiens. C'est aux historiens algériens pour leur dire qui a fait la guerre, qui ne l'a pas fait, qui était dans la guerre de libération nationale, qui était un véritable moudjahed et qui n'était pas. Est-ce que le président Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, on l'appelait à l'époque Abdelkader Mali, a effectivement contribué à la guerre ou pas? On a perdu Faisal, on a perdu. Alors Zineb, quelle est la réaction? Vous êtes à l'université de Constantine. Quelle est la réaction des universitaires constantinois devant une telle outrance? Rassurez-moi, dites-moi qu'il y a une réaction. Les universitaires, comme n'importe quelle tranche des agents, n'existent pas en tant que tels. Avons-nous un syndicat? Avons-nous une voie d'expression? Nous n'avons pas le droit de nous exprimer à l'intérieur de l'université. Vous savez très bien, l'expression démocratique est prohibée. Il y a quelques syndicats maison. Le seul syndicat qui essaie d'activer dans ce marasme n'a pas l'autorisation de le faire. Encore une fois, les médecins ou les syndicats. Oui, mais il y a des voix, Zineb. Il y a des voix qui peuvent. Vous, en ce moment, vous êtes en train de vous exprimer. Il y a des voix qui ont des possibilités variées et diverses de pouvoir exprimer une contestation, une indignation, une telle outrance, un tel excès, une telle. Je ne sais pas comment qualifier cette exposition photo. C'est une insulte au peuple algérien. Ce que j'appelle agréé, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol tel, mais moi je vous dis, face à 200 000 morts, il n'y a pas eu de réaction. Il ne faut pas espérer qu'il y ait des réactions démesurées ou des réactions qui puissent faire peur ou faire changer d'avis. Parce que ce qu'on espère, c'est plutôt des réactions fortes, capables vraiment de déstabiliser, entre guillemets. Qui est capable de déstabiliser par des réactions, par des propos, dans le meilleur des cas, vous allez entendre ceux qui ont des revanches face à ce pouvoir qui leur a pas donné leur place, qui aurait aimé bouffer plus. Dans le meilleur des cas, vous allez entendre encore insulter Bouteflika et se moquer des quatre roues, mais les vraies questions ne seront pas posées, parce que la vraie question, c'est qui gouverne ce pays, franchement? Qui est en train de prendre les décisions? Je vous dis, hein, personnellement, moi je ne suis pas une férue des défilés et du patriotisme par les drapeaux. La mémoire ne se travaille pas comme ça et la conscience ne s'éduque pas par les drapeaux et les défilés. Les défilés où le peuple est absent, où les victimes sont absentes, ne servent à rien, ça ne sert qu'à redorer le blason, à dépenser de l'argent, à donner de la crédibilité aux tenants du pouvoir. Mais Zineb, par le 1er novembre, faire ça, c'est fort. Zineb, imaginez, vous savez, moi, je n'en reviens pas. Franchement, il y a des moments où je me dis peut-être si on est en train de faire... Hein, on est en plein délire. Peut-être qu'on va se réveiller après tout, hein, peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que nous sommes en train de faire un cauchemar ensemble, vous à Constantine, moi ici, les gens qui nous regardent, on va tous se réveiller. Vous avez 70% de jeunes dans ce pays, des gens qui n'ont même pas connu l'indépendance. Oui. Imaginez, il faut bien mesurer l'échantillon, il faut bien mesurer, avoir une cartographie de ce pays.
les jeunes ne savent même pas ce que signifie le mot 62, ne savent pas ce que c'est une femme de Chérib, ne savent pas. On peut leur montrer des massacres de la France, mais en parallèle, ils voient bien les queues, les longues queues d'attente devant les consulats. Ils voient bien que le président du FLN a une carte séjour. Ils savent très bien que tout ce qui émane du pouvoir est dépravé, à commencer par la religion. Tout est faussé. Est-ce que tout signifie le mot patriotisme aujourd'hui auprès des jeunes? Mais nous ne sommes même pas capables de sonder la catastrophe. Savez-vous ce que symbolise le drapeau pour un jeune de 20 ans aujourd'hui? Est-ce que les jeunes savent, quand ils se baladent à l'avenir à Bébé-Mélidi, vous êtes dans un pays où à Constantine même, je vous dis, vous avez le grand quartier de Bossof et vous avez Abdel Ramdan. Est-ce que les gens savent qui a étranglé Abdel Ramdan de ses propres mains? Est-ce que les gens, vous avez un à l'université à Bessel-Rolland, mais je peux risquer de définir à travers vos antennes qu'on réponde à la question qui est Bessel-Rolland, comment est-il mort et pourquoi? Pourquoi Shirani Béchir a été exécuté? Franchement, est-ce que vous croyez, maintenant qu'on vient leur dire, ben voilà, ils sont en plein délire, les printemps arabes ont attaqué de nouveaux pharaons. Et on essaie de se trouver une place. Pourquoi pas, hein? Ils peuvent toujours rêver de notre Atatürk, nous aussi. Ils ont besoin de symboles. Ils ont besoin de symboles. Et mais c'est quel symbole, comme le disait Faisal Mataoui, réduire le 1er novembre de ces combattants emblématiques qui ont stupéfait le monde entier? La révolution algérienne a été une aventure fabuleuse. De sacrifices de dizaines, de centaines, de milliers de gens qui ont tout donné, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur espoir, qui ont donné leurs enfants, qui ont donné leurs biens, qui ont tout donné, et réduire le 1er novembre à une exposition photo d'un monsieur qui fait son quatrième mandat, qui n'a même pas fait sa campagne électorale, qui n'est pas capable de coordonner deux idées, qui est malade, pour lequel on signe les décrets, qui ne sait même pas ce qui se passe, ce monsieur qui n'a pas fait la révolution, on l'appelait Abdelkader el-Mali parce qu'il était aux frontières du Mali et de l'Algérie, il était à Oujda, il était tout ce qu'on veut, sauf dans le maquis algérien, on fait le grand moujahid de Hamid Green, c'est vraiment, vraiment triste, c'est consternant. Zine Bazouz, merci beaucoup. Faisal Mataoui, merci beaucoup. En espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, Azul Fillaouen, bonsoir.